Sors-moi là. Baldur et toi avaient détruit la seule porte menant à Jotunheim. On ne peut plus rien faire. Et le garçon, il souffre mille morts. La tête lui tourne tellement qu'il est en train de... Atreus n'est pas ton problème. Il pourrait bien devenir le problème de tous si tu n'y fais rien. Pas besoin d'être l'homme le plus intelligent du monde pour s'en rendre compte. Atreus. Je peux t'aider ? Ensemble. On a réussi ! On est libre ! On va réussir à sortir d'ici. Affronte-moi, père! Il est temps d'en finir! Oui, mon fils. Il est temps. Non. C'est encore cette voix. Est-ce que tu sais qui c'est? Je ne sais pas. Iceberg! À bâbord! Accroche-toi! Oh!
nous détache. Combien de temps avant d'atteindre le temple? Oui, on va geler. Si on parvient à maintenir cette vitesse et que les flammes ne s'éteignent pas, on y sera en un rien de temps. Regarde!
On est libre.
lumière. Comment le feu reste allumé? Je te disais qu'il n'y avait pas agité. C'est l'âme. Fait harponner.
harpon. Regarde tout ce que tu as fait. C'était ça ton idée? Vous êtes tous les deux malades! Nous quittons ce royaume, maintenant! Si seulement on n'avait pas détruit le chemin du retour. Nous sommes chez Odin. Je reconnaîtrai son mauvais goût entre mille. Je pense que c'est là qu'Odin conserve ses meilleures pistes sur Jotunheim. Regarde! C'est le panneau manquant à propos de tir! Odin a dû le voler. Mais pourquoi? Il a toujours ses raisons. Je peux voir... Eh bien, c'est une surprise. Pourquoi? Qu'est-ce que ça dit?
Je n'en ai aucune idée. Étonnant, hein? Tut. Là, voilà Tyr. Il voyage, j'ignore comment, peut-être par magie. Mais ça n'explique pas pourquoi les géants lui ont construit un hôtel. J'ai bien peur de ne pas comprendre. Qu'est-ce que c'est que ces runes dans les coins? Ce ne sont pas des runes, mais des symboles d'autres contrées. Ils représentent... La guerre. Oui. Comment tu... Je ne connais que trop bien celui-là. Oh. Ses yeux, ce sont des joyaux, comme les tiens. Ça symbolise sûrement le don de clairvoyance que les géants nous ont accordé. Rapproche-moi, s'il te plaît. Intéressant. Très intéressant. Qu'est-ce que c'est ? Des plans secrets cachés par Tyr auxquels lui seul avait accès, ainsi que les rares personnes à qui les géants faisaient confiance. Et juste sous le nez d'Odin, je vous avais dit que je vous conduirais à Jotunheim. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu as dit que nous n'avions plus d'autre choix. Tu ne comprends donc pas ? Odin n'a jamais perdu espoir et on doit faire pareil. Il savait qu'un indice se cachait ici, mais c'est nous qui l'avons découvert. Ce sont les dessins d'une clé ouvrant une chambre que Tyr gardait secrète. J'ignore où elle mène et ce que nous y trouverons, mais c'est un passage. Comment fabrique-t-on cette clé ? Je suggère de demander à Anne. Je crois que je sais quelle porte ouvre cette clé. Près de l'eau. Tu te souviens ? Atreus. Tout à l'heure, ce que tu as vu... Je n'ai rien vu. Tu ne m'as pas vu avec quelqu'un ? Un vieillard. Quel vieillard ? On peut y aller ? Oui. Comme tu veux. Très bien. Retournons à Midgard pour fabriquer cette clé. Où est le nain ? Baldur était le fils de Freya. Mais oui ! Je suis surpris à chaque fois que je l'entends, et pourtant, je le sais. Quand je pense à Baldur et Freya, je... Vimir ? Oui, mon enfant. Freya. Où est-il, mon frère ? Tête, dis-moi quel est le point faible de Baldur. Baldur est insensible à toutes les attaques, physiques ou magiques. Hé, qu'est-ce qui se passe ? Un sortilège l'empêche de dire ce qu'il sait. Vraiment ? Mais oui ! C'est l'évidence même ! Oh, je me demande bien depuis quand ? Quand elle a eu ma tête entre les mains, ou dès que j'ai découvert le point faible de Baldur ? Vimir ! Oui, mon enfant ? Tu viens de dire que tu connaissais le point faible de Baldur ? Ah bon ? Pourtant, Baldur est insensible à toutes les attaques, physiques ou magiques. Oh. Assez ! Cela signifie... Tu peux la fabriquer ? Est-ce que c'est une arme ? Une armure ? Ou le genre de matériel de guerre dans lequel je suis pour ainsi dire le meilleur ? Non ? Alors n'y compte pas. Même si je voulais fabriquer une telle babiole, je risquerais d'ébrécher mes outils en forgeant une chose si délicate et si féminine. Alors martèle-la. Damasse l'objet avec des scories renforcées, affine les couches au maximum et superpose-les. Ok, gros malin.
Et où est-ce que tu penses pouvoir trouver un éclat de cette qualité? La dernière fois que j'en ai vu un, j'étais encore capable de lever mon gourdin. C'est pas vrai, c'est vraiment... Où t'as trouvé ça? J'ai dû me salir les mains. Reste pas planté là. Allez, au boulot. Mais ça ne te dérange pas de travailler sur autre chose qu'une arme? Bah, pourquoi pas? Quoi? Moi aussi, je peux changer. Hey, protège ton dos. Détends ton poignet. C'est toi qui vas te détendre. Allez, plus de température! Chaudement? Tu vas renforcer cet acier encore longtemps? J'ai pas besoin de ça. Je l'ai trempé 3 fois dans l'huile de drogueur. Oh. Tu vois? Très astucieux. Et hygiénique. Tu es malin comme un singe. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Hein? Tu l'as dit. Fini. Et voilà. Oh! N'oublie pas ça! Arrête de sourire bêtement, ça me perturbe. Ça fait plaisir de vous voir réunis. Mais la rune de votre marque a l'air différente. C'est ce qu'il en coûte, de reforger une chose cassée. Je le savais, vous vous adorez. Oh, arrête ton cirque, sale mioche, tu vas me faire pleurer. J'aime encore plus la nouvelle. Pas vous? Nous n'avons pas que ça à faire. Projet, maintenant qu'on s'est rabiboché. Qu'est-ce qu'il vous faut cette fois? Service, fille. On
taille la route ou bien le bout de gras. Je m'occupe de ça. À bientôt. Qu'est-ce que vous voulez? Avec la pierre à aiguiser et le marteau que vous nous avez apporté, Brock et moi pouvons recréer Devegrafikeur, l'armure légendaire des nains. Il nous faut encore 3 matériaux mythiques avant de pouvoir la forger. Lesquels? Aucune idée. C'est une légende, et les détails sont plus flous que ma vue quand je sors de la taverne. Vous voulez qu'on trouve des matériaux d'une légende? Motsognir, le roi nain, en a trouvé 2. Tout le monde sait ça. Et quand il s'est mis en quête du 3e... Pouf! Il a disparu. Vous trouverez peut-être des indices dans sa forteresse de Konunsgard. Et regardez ça! Une pierre de passage pour Konunsgard. Et ton nom est gravé dessus. Bizarre, ça. Royaume de grande structure en pierre. Atmosphère sinistre. Vous ne pouvez pas vous tromper. Les frères Uldre, prennent du service. Oh, j'ai hâte de J'allais imaginer qu'on forge à nouveau ensemble. Mais je le sens bien, surtout pour ce projet. J'ai tellement pris l'habitude de travailler seul toutes ces années, j'avais oublié à quel point une autre paire de mains pouvait être utile. J'avais oublié que c'était plus facile de fondre des scoriscapes quand il y a quelqu'un pour contrôler la température. Ce sera notre plus belle œuvre. On a juste besoin d'un petit coup de pouce. Peut-être que je peux voler. Non, non! Même les dieux doivent rester sur le chemin, je t'assure. Je suis perdu.
On m'a toujours dit que la mère de Baldur était Frigg. Ah, Frigg. C'est une sorte de nom doux, si tu veux. Ça veut dire bien-aimé. C'est comme ça qu'Odin appelait Freya après leur mariage. J'aime croire que c'était affectueux au début, mais quand les choses se sont envenimées, c'est devenu un moyen de manipuler la vérité. Odin refusait d'admettre qu'une déesse Van puisse faire quoi que ce soit pour Asgard. Alors, tout ce que faisait Freya, il l'attribuait à Frigg. Comme donner vie à Baldur. Et oui, Freya a toujours été la mère de Baldur. Mes amis, bienvenue à Konynsgard. Je tiens juste à m'assurer que vous êtes fin prêt avant de vous aventurer plus loin. Le roi nain a laissé derrière lui bien des horreurs à cause de ses pratiques sinistres. Quel genre de pratiques ? Oh, un peu de tout. Sacrifices, puissants sortilèges, magie de sang, et j'en passe. Des pratiques répandues chez les vieux nains, malheureusement. Et les vieilles habitudes dans la vie dure. Waouh! Regarde! Un autre dragon! Je le vois, Atreus. Il est enchaîné. J'espère qu'on va trouver les hôtels d'obédience. Cet endroit est gigantesque! Le roi nain a capturé plusieurs dragons. C'est qu'il devait en avoir besoin pour créer son armure légendaire. C'est une remarque intéressante. Et ça se tient.
Presque tout dans le dragon est utile et détient un pouvoir. Les dents, les écailles, même les excréments. Les excréments ? Les crottes. Les crottes de dragon ont un pouvoir ? Mais oui ! Et quel pouvoir ! La tête se moque de toi. Oh, je le savais. C'est impressionnante. Les matériaux doivent être très spéciaux pour créer une armure légendaire. Cette armure légendaire a intérêt à en valoir la peine. Si Brock et Sindri la fabriquent ensemble, je suis sûre qu'elle en vaudra la peine. Même à eux, tu leur fais pas confiance. J'ai confiance en toi, Atreus. Mais je ne crois pas à la légende. Oh.